Hey hey, salut à toi et bienvenue pour ce nouvel épisode de Rock Justice joue à Nuclear Throne. Alors, aujourd'hui dans Nuclear Throne, c'est l'heure du défi hebdomadaire avec Eyes. Enfin, c'est l'heure du défi hebdomadaire, vous l'avez déjà vu en live, sauf qu'en live, dans le Rock Show, je m'étais foiré lamentablement. Heureusement, pour vous prouver, entre guillemets, que j'ai quand même pas complètement foiré ce défi hebdomadaire, j'avais enregistré ma partie de chauffe qui était... plusieurs heures avant le rock show, donc toujours un petit peu frustrant de voir que pendant le rock show ça se passe mal, mais dans les parties d'entraînement que je fais juste avant, ça se passe très bien. Donc le défi hebdomadaire cette semaine-là, c'était Eyes avec une guitare et avec la couronne du sang, donc beaucoup plus d'ennemis que d'habitude. La guitare, une arme de mêlée qui fait des bons gros dégâts, qui a pas une portée fantastique, mais qui fait des bons gros dégâts. Une arme qu'on chope d'habitude quand on boucle avec Fish, elle est au niveau de la deuxième forme du trône, vous savez, dans cette zone qui ressemble à l'écran de sélection des personnages. Et donc je rappelle que pour les défis hebdomadaires, une nouvelle fois, les cartes, les armes qu'on chope, les mutations que le jeu nous propose sont fixées. Donc c'est une partie que les développeurs nous proposent pendant 48 heures le week-end, pour laquelle on peut s'entraîner plusieurs fois, contrairement à toutes les autres parties de Nuclear Throne, que ce soit les défis quotidiens ou des parties normales, où bah, une fois que la partie est faite, elle est faite, elle est perdue pour toujours, et puis tu recommences une nouvelle. Donc en première mutation, je prends le stress. Le stress, je rappelle cette mutation qui permet de taper plus vite quand on a moins de points de vie. Ça peut te sauver dans certaines situations, ça peut aussi t'aider à buter le trône et les autres boss d'ailleurs très très vite. Parce que bah, tu vas pouvoir vider tes munitions beaucoup plus vite. Alors après, c'est moi le problème que j'ai souvent avec le trône, c'est pas tellement de le tuer le plus vite possible, c'est plutôt de le tuer en gardant des munitions pour sa deuxième forme, et ça me joue très 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 souvent des tours. Donc toujours très content de jouer avec Eyes, hein. Eyes, je rappelle ses capacités. 1. Il voit dans le noir, ce qui peut paraître anodin, mais n'empêche que dans la boucle, pouvoir voir clairement dans le niveau des égouts et des caves de cristal, c'est quand même super méga super utile. Et sa capacité active, c'est la télékinésie, qui permet à la fois d'attirer les adversaires vers soi, mais de repousser les projectiles qui viennent dans la même direction. Et on verra que son ultra permet, elle, de repousser les ennemis quand on n'utilise pas la télékinésie en permanence. Et dès qu'on utilise la télékinésie, du coup, on attire les ennemis et on repousse les projectiles. Disons que je me fais massacrer là par ces petits ratons. Ok, heureusement, on se chope un pack de vie qui donne plus 4 PV. Oui, je rappelle que les vidéos de Nuclear Throne là sont commentées après que j'ai joué la partie, histoire que quand je joue, je puisse me concentrer uniquement sur le gameplay. Ce qui me permet quand même de jouer un petit peu mieux et de vous proposer des parties qui se passent un petit peu mieux que d'habitude. Et il n'y a qu'à regarder comment ça se passe dans le rock show pour voir que, d'évidence, je joue mieux quand je commente pas en même temps. En tout cas sur ce jeu, c'est pas vrai pour tous les jeux bizarrement. Hein. Mais c'est vrai que sur les jeux où il faut beaucoup de concentration, genre celui-là, genre Fury aussi, putain comment c'était mal passé dans le dernier rock show, bref. Genre Necrodancer, c'est vrai que commenter en même temps c'était un vrai handicap et encore une fois très clairement j'ai pas acquis cette compétence à bien jouer tout en commentant sur ces jeux là en tout cas. Alors la patte de lapin, je l'ai dit dans le rock show d'hier, mais c'est vraiment une mutation que je commence à dévaloriser un petit peu. Pour moi c'était clairement une des mutations qui permettait d'aller au bout du jeu et finalement pas tant que ça, hein. J'ai pas l'impression qu'elle augmente tant que ça le taux d'apparition des munitions et des packs de vie. Du coup parfois ça vaut le coup de prendre une mutation un peu plus agressive. Là évidemment pour cette partie hebdomadaire, je sais très bien quelle mutation je vais prendre, hein. Je vais prendre Bloodlust, il va me le reproposer un peu plus tard, donc c'est pour ça que je préfère prendre Rabbit Paw. Et on s'est déjà chopé deux du coup si on enlève la patte de lapin, très très bonne mutation. Second Stomach et Trigger Fingers, c'est merveilleux. Il y a beaucoup beaucoup de monde hein, quand on joue avec la couronne du sang comme vous pouvez le voir. Beaucoup beaucoup d'ennemis. Après, quand on a une guitare qui tape assez vite et qui fait beaucoup de dégâts, on n'a pas peur. Peut-être un peu peur des snipers parce que faut quand même arriver jusqu'à eux pour les taper à coups de guitare. Heureusement, on a chopé un bazooka. Et normalement, c'est à ce tableau-là ouais, qu'on se chope l'auto-crossbow. Et après, c'est parti, roule ma poule. On a une arme de mêlée, une des meilleures armes du jeu pour la première boucle, l'auto-crossbow. Et ça va rouler tout seul. Ou presque. Presque, parce que dans le rock show j'avais réussi à aller jusque là et puis je m'étais quand même merdé par la suite.
Donc, encore une fois, se choper une arme complètement pétée, ça ne suffit pas à survivre dans Nuclear Throne. Ok, beaucoup de snipers dans ce tableau. Alors, heureusement, les développeurs ont été sympas pour ce défi. Alors, je sais pas s'ils dessinent à la main les cartes des niveaux pour les défis hebdomadaires et les défis quotidiens, ou si juste ils nous donnent un perso, une arme, une couronne, et puis vas-y, on verra bien ce que ça donne. Et ils choisissent après les armes que tu trouves dans la partie et les mutations. Ou est-ce que c'est plus fin que ça et ils dessinent manuellement tous les petits niveaux? Je pense pas qu'ils le fassent parce que ça leur ferait beaucoup de travail et l'équipe qui bosse sur les cartes est toute petite. Surtout qu'ils ont délégué la gestion des défis quotidiens et hebdomadaires à des gens de la communauté qui bossent pas chez Glambir du coup. Mais heureusement, avec la couronne du sang là, pour ce défi hebdomadaire, on a du bol parce que à chaque fois on commence dans une petite zone un petit peu renfermée. Alors que ça arrive régulièrement que la génération de niveaux dans ce jeu soit totalement pourrie et que tu te retrouves au milieu des ennemis pour apparaître dans le niveau sans aucune cachette et tu te fais laminer la gueule en une demi-seconde, à peine t'es rentré dans le niveau, c'est toujours un peu frustrant. Donc heureusement, pour ce défi hebdomadaire avec la couronne du sang, il n'y a pas de niveau comme ça, je crois. On a toujours un petit endroit où se planquer un petit peu pour gérer doucement la horde d'ennemis qui va nous arriver dessus. On va prendre évidemment Scarier Face. Non, pas Laser Brain, Scarier Face. Scarier Face, merci. Voilà. Et donc là, on a la sainte trinité des armes de mêlée. Hein. Trigger Fingers, Long Arms, Scarier Face. On va tuer beaucoup d'ennemis en un coup d'armes de mêlée. Et en plus, on a une portée grandement augmentée. Alors d'habitude j'appelle ces trois mutations la sainte trinité de la pelle parce que la pelle sans ces mutations c'est bon mais c'est quand même pas top, alors qu'une fois que t'as ces trois mutations là c'est genre une des meilleures armes du jeu. Pour les armes de mêlée en tout cas, qu'est-ce qu'il y a de mieux? Peut-être l'épée d'énergie sauf que ça a des munitions et après évidemment dans la boucle t'as l'ultra pelle, la ultra shovel qui est avec le super plasma cannon et l'auto-crossbow je pense dans le top 3 des armes du jeu quoi. Du coup, dans les caves de cristal, il y a toute une chier d'araignées, mais on n'en a même pas peur parce qu'elle meurt en un coup de guitare. Et que déjà que de base la guitare se recharge assez vite, mais là avec Trigger Fingers, on peut direct refoutre un coup de guitare dans l'araignée qui est juste à côté, qui nous court dessus, et ça se passe très bien. Toujours un Scarier Face Game Agust, ça permet à la fois dans la première boucle, enfin du coup dans la boucle 0, du coup c'est comme ça que le jeu l'appelle, dans le loop 0, donc la boucle 0, la première fois qu'on fait ces tableaux, de traverser sans trop de problèmes ces tableaux de la cité gelée. Et puis par la suite, quand on a bouclé, ça permet quand même de pas avoir peur de se taper des petits vermisseaux dans le désert, ça permet de pas avoir peur des rats dans les égouts, ça permet de pas avoir peur des espèces de monstres mutants dans le laboratoire. Donc c'est vraiment une mutation. Scarier Face, de toute façon, on va la prendre hein, quand je nous la propose, toujours. Et avec Gamma Guts, vraiment, ça permet de gérer pour nous tout un tas de petits ennemis et nous de se concentrer que sur les ennemis les plus dangereux. Voilà, donc j'utilise toujours hein, la capacité active de Ice quasiment en continu. Pourquoi? Parce que comme ça, s'il y a un ennemi qui me tire dessus, les boulettes vont dégager. Et puis là, avec Scarier Face, Gamma Guts, j'ai pas du tout peur que les ennemis soient attirés vers moi parce que s'ils viennent vers moi, ils vont mourir. Donc limite, c'est avantageux là d'utiliser la capacité de Ice. Donc ça, c'est la grande hésitation pour ce défi hebdomadaire. Fallait-il prendre Rabbit Paw en premier, puis prendre Bloodlust maintenant, ou fallait-il ne pas prendre Rabbit Paw vu qu'on a une arme de mêlée qui n'utilise pas de munitions? Et là, à ce choix de mutation-là, prendre Boiling Veins pour être sûr de pas crever à la première grenade qui va nous tomber sur le point du nez. Je pense qu'objectivement, fallait pas prendre Rabbit Paw et fallait prendre Bloodlust et là prendre Boiling Veins. Je pense que c'était vraiment le bon choix à faire. Mais bon, dans cette partie, c'est pas le choix que j'ai fait et on verra que ça se passe pas si mal et que ça n'aurait pas changé à la façon dont cette partie va se terminer. Parce que je rappelle que dans ce jeu, il y a trois façons de terminer la partie. 1. Tuer le trône sans péter les générateurs et la partie s'arrête là. Marrant la première fois que tu le fais, mais clairement une fois que tu l'as fait une fois, t'as envie d'aller dans la boucle. Donc il faut péter les générateurs du trône et buter le trône pour aller dans la boucle. Deuxième façon de finir la partie, c'est dans la boucle, voler un des vannes de l'IDPD et aller à leur QG et buter leur capitaine, chose que je n'ai jamais réussi à faire pour l'instant, mais on y arrivera un jour. Et troisième façon de finir une partie, bah, c'est de mourir. Et globalement, bon, une fois qu'on aura tué le capitaine une fois, on le refera plus, et donc toutes nos parties se termineront avec notre mort. C'est toujours comme ça dans Nuclear Throne. La partie s'arrête quand tu meurs.
Donc il n'y a pas de suspense, je veux dire, on va pas gagner. C'est juste, à un moment, on va mourir. Le but, c'est de mourir le plus tard possible, en ayant les armes les plus pétées possibles, et en s'étant bien amusé avec nos armes complètement, complètement fofolles. Si possible, un super plasma cannon, parce que c'est quand même trop rigolo. Ou au moins des armes ultra, parce que les armes ultra sont quand même assez sympatoches aussi. Je ne commente même pas le combat contre Little Hunter qui s'est plutôt très bien passé. On lui a déchiré sa petite phase de rat. Et on est déjà au niveau ultra. Très tôt dans la partie, bah c'est ça de jouer avec la couronne du sang. Hein. Chaque ennemi te donne moins de radiation que d'habitude, mais il y a tellement d'ennemis que tu chopes ton ultra bien avant la fin de la partie. Alors le Lightning Cannon, d'habitude, c'est une arme que j'aime bien, hein, surtout quand t'as Trigger Fingers, parce que dans la boucle, tu peux arriver dans un niveau, tirer des projectiles de Lightning Cannon, au premier ennemi qui meurt, tu peux retirer un projectile de Lightning Cannon, et vider comme ça ton Lightning Cannon dès le début du niveau, et après tu vas récolter toutes tes munitions, tu le re-remplis, et puis tu passes au niveau d'après, c'est assez sympatoche à faire. C'est un petit peu casse-gueule, ça marchait très très bien dans la... Alors je sais plus dans quel update, mais lors de l'Early Access du jeu, le Lightning Cannon était bien meilleur. Et du coup, tu pouvais vraiment t'éclater avec le Lightning Cannon dans la boucle. Néanmoins, maintenant, j'ai l'impression qu'ils l'ont un petit peu... depuis la sortie du jeu, ça remonte déjà au mois de décembre, je sais plus. Ils l'ont un peu nerfé, comme on dit, ils l'ont un peu downgradé, donc ils l'ont rendu plus mauvais, en gros. Et du coup, c'est moins sympatoche à utiliser qu'avant, mais... Toujours sympa si t'as pas mieux, mais là, auto-crossbow et armes de mêlée... Moi, c'est ce qu'il me faut pour aller buter le trône sans trop de problèmes. Après, dans la boucle, on verra si on change pas un petit peu et on lâchera peut-être notre arme de mêlée. Mais pour le trône, une arme qui fait des gros dégâts, qui tire vite, et une arme de mêlée, c'est ce qu'il me faut pour y survivre. Donc encore une fois, matez-moi la puissance de Scarierface Gamma Guts. Hein. Tous ces petites grenouilles, enfin tous ces petits poissons avec plein de nanoïs là, j'en ai absolument pas peur. Le seul truc qui me fait peur, c'est les plantes explosives, les gros balèzes, et éventuellement les tourelles. Le reste, ça va mourir tout seul en venant se coller contre moi. Et là où l'ultra de Eyes est hyper puissante, c'est que bah, les plantes explosives, là, suffit que j'arrête d'utiliser ma télékinésie et elles sont repoussées. Donc la probabilité qu'une plante explosive arrive à me courir dessus pour m'exploser dessus est vraiment très 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 faible. Donc dans les persos, on va dire... Les plus faciles pour boucler, j'ai envie de dire, je mets clairement Eyes, je mets clairement Crystal, et après YV éventuellement, parce que les boss sont quand même plus faciles à tuer avec YV, même si on verra dans les épisodes suivants que j'ai encore un peu de mal, mais faut que je m'entraîne avec YV du coup. Après, YV a un ultra franchement sympatoche, mais on l'a toujours pas vu malheureusement. Ça viendra. Le prochain épisode que je fais, je le fais avec YV d'ailleurs. C'est décidé. Ah bah je devais vous faire aussi un épisode avec Horreur. Oh, un des deux. Alors prochain épisode que j'enregistre, c'est pas forcément prochain épisode qui est publié, parce que là j'en ai enregistré 4-5 d'affilée. Donc c'est pas pour tout de suite, pour vous. Oui bah c'est un mimique là-haut mec, tu l'as vu ou pas? Donc là je fais exprès de vider un peu de munitions parce que j'en ai beaucoup. Pour me remettre à fond de vie, je rappelle que le taux d'apparition des objets, la probabilité que le jeu me donne des packs de munitions, qu'éventuellement il peut transformer en packs de vie, dépend du nombre de munitions que j'ai actuellement. Ma guitare n'a pas de munitions, donc ça dépend uniquement du nombre de carreaux d'arbalète que j'ai. Si je suis à fond, il me donnera quasiment jamais de packs de munitions, et donc jamais de packs de vie. C'est important de savoir ça, parce que si t'es à 1 PV, mais que t'es à fond de munitions, le jeu te donnera jamais de points de vie, quasiment. Donc c'est pour ça que je vide un petit peu de carreaux d'arbalète pour rien, on va dire, pour que le jeu puisse me donner des packs de vie. Et là on voit que je suis à fond de munitions, mais il m'en donne quand même, mais juste la probabilité est vraiment très très faible. Encore que comme on a la patte de lapin, elle doit être un petit peu plus élevée que d'habitude, c'est peut-être pour ça qu'on en fait apparaître quand même. Mais encore une fois, voilà, comme je tue les ennemis à la pelle, enfin je veux dire, pas à la pelle d'ailleurs, à la guitare, je dis la pelle parce que je vois une pelle à l'écran, que je prends évidemment. Parce que avec les trois mutations qu'on a... Non, tu la prends pas. Mais si, prends-la. Ah bon, je me disais bien aussi que je prenais la pelle. Avec les trois mutations qu'on a, la pelle est hyper puissante. Hein. Elle fait peut-être un peu moins de dégâts que la guitare, mais le fait qu'elle ait un cône d'effet beaucoup plus large la rend bien meilleure pour la boucle et éventuellement pour le trône. Alors j'essaye de l'attirer doucement dans le portail.
en me disant je suis pas encore décidé si je la veux ou pas, mais clairement la bonne décision c'est de garder la pelle. Hein. Et de laisser tomber la guitare. Donc ouais, comme j'avais la guitare, c'est pour ça aussi que j'ai gaspillé des carreaux d'arbalète, parce que je savais très bien que le jeu allait finir par me donner des munitions pour mon auto-crossbow, comme c'est la seule arme que j'ai. Après, quand tu utilises une arme de mêlée, hein, le jeu peut te donner des munitions pour n'importe quelle arme en fait. Et on arrive au trône. Là, il y a toujours le suspense. Il va y arriver ou pas cette fois? Tu sais pas, la vidéo n'est pas finie, mais est-ce que c'est parce que je fais une autre partie derrière ou est-ce que c'est parce que j'y arrive? Ah ah, suspense! On m'a déjà vu foirer avec un autocrossbow et une arme de mêlée. Hein. Normalement, c'est vraiment l'équipement idéal pour buter le trône. Un autocrossbow et une arme de mêlée pour gérer les boulettes, tu peux pas faire mieux quoi. Enfin, une arme qui fait des gros dégâts et une arme de mêlée pour gérer le trône, c'est vraiment le mieux. Le mieux étant encore une fois le marteau piqueur qui est vraiment une arme de mêlée absolument fabuleuse. Je sais pas ce que j'attends là. Je voulais être sûr qu'il tire des boulettes et après aller péter le gérénateur, je pense. Ok, très bien. Laisse tomber les munitions, vide lui ton autocrossbow dans la gueule. C'est une erreur que je fais tout le temps ça. Après avoir pété le quatrième générateur, essayer d'aller choper les munitions dans le petit coin et après me faire démonter la gueule par le trône. Je fais ça mais encore très 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 souvent. Il faut pas faire ça. Je rappelle que quand on a pété le quatrième générateur, le trône perd la moitié de ses points de vie. Du coup, il devient vachement plus agressif. Du coup, la fin du combat, comme il vient de perdre la moitié de ses points de vie, est relativement rapide. Encore faut-il avoir assez de munitions pour finir le trône et des munitions pour tuer les flics et la deuxième forme du trône. Ce qui est en gros le truc dur, je trouve, dans ce combat. C'est pas tellement le schéma d'attaque du boss, c'est d'avoir assez de munitions. Et après, bah, si t'as pas de munitions, t'es obligé d'attendre qu'il tire des boulettes et le combat va être très long. Et bon, ces attaques sont pas horribles à esquiver, mais plus le combat est long et plus tu risques de faire une petite bêtise. Et une petite bêtise sur le trône, hein, vu le nombre de points de dégâts qu'il te fait, bah c'est la mort quoi. C'est la mort en une demi-seconde. Donc c'est parti pour la boucle avec Crown of Blood. Donc le nombre d'ennemis va être un tout petit peu inquiétant, mais on n'a pas peur, on est Eyes, on a l'ultra. Les ennemis ne nous approcheront pas. Si on décide de les attirer vers nous pour leur filer des coups de pelle, c'est notre décision. On peut pas trop se faire submerger du coup avec son ultra qui repousse les ennemis en permanence. Alors faut faire vraiment gaffe avec ces élites là qui tirent des rafales de plasma. Je rappelle que le tir de plasma, quand on tape avec une arme de mêlée dessus, ça fait une petite explosion de plasma qui peut te tuer. Contrairement à toutes les boulettes du jeu que tu gobes totalement avec ton coup d'arme de mêlée, les tirs de plasma, tu vas gober le projectile en lui-même, mais en le gobant, que ça touche un mur, que ça te touche toi, que ça touche ton arme de mêlée, ça fait sa petite explosion de plasma qui fait pff, je sais pas combien de points de dégâts, beaucoup trop ça c'est sûr. Dévastateur, c'est quand même rigolo, non? Je sais plus ce que je fais. Est-ce que je le garde ou est-ce que je reprends mon autocrossbow? Je crois que je reprends l'autocrossbow parce que c'est quand même... On va dire que c'est la sécurité, l'autocrossbow. L'autocrossbow avec Trigger Finger, ça permet vraiment de faire beaucoup beaucoup de dégâts très 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 vite. Et après le marteau d'énergie, clairement le marteau d'énergie fait d'énormes dégâts. Néanmoins, ça tape beaucoup moins vite, même avec Trigger Finger ça tape pas très vite. Ça utilise 5 points d'énergie à chaque fois, et des armes d'énergie dans la boucle, il y en a plein qui sont super bien, donc on n'a pas envie de garder un marteau d'énergie dans la boucle. Si jamais tu l'avais pour tuer le trône, une des priorités c'est de trouver un remplaçant assez vite. Parce que tu vas être à court de munitions beaucoup trop vite. Hein. Il y a beaucoup trop d'ennemis pour les tuer au marteau d'énergie dans la boucle. 5 points d'énergie à chaque fois, tu peux donner que 11 coups de marteau avant d'être à vide. C'est vraiment pas du tout la bonne solution. Donc ces hauts gradés avec des épées peuvent utiliser eux aussi la télékinésie pour nous attirer vers eux. C'est un peu l'équivalent de Ice côté IDPD.
Et du coup, là, avec mon ultra, je peux le repousser. J'aimerais en fait péter le van avant de gérer l'ennemi, parce que j'ai peur qu'en essayant de taper l'ennemi avec ma pelle, je me fasse exploser le van à la gueule, mais bon. Avec le ultra de Eyes, heureusement, on repousse l'ennemi, donc il peut moins nous attirer vers lui, et il peut moins nous filer des petits coups d'épée d'énergie, ce qui est plutôt une très bonne chose, parce que les coups d'épée d'énergie, ça fait très 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 mal, hein. Quand on en colle aux ennemis, ça fait mal, mais quand les ennemis nous en collent, ça fait mal aussi. Alors je sais plus si ça nous tue en un coup, mais ça doit pas être très très loin de nous tuer en un coup. C'est au moins 5 points de dégâts, je pense, si c'est pas la mort directe. Donc heureusement, on a Second Stomach, on a Bloodlust, et le gros avantage avec Bloodlust quand il y a la couronne du sang, c'est que plus il y a d'ennemis, plus t'as de probabilité de pouvoir te guérir finalement. Là je pense à vite fait parce que j'ai jamais eu cette arme, je crois. Le problème des lightning quelque chose, donc toutes ces armes qui tirent des éclairs, c'est qu'elles sont absolument imprécises, et que quand t'es en train de viser un ennemi, bah t'es à peu près certain de pas réussir à le tuer. La seule arme lightning qui vaut le coup, enfin les deux seules armes lightning qui valent le coup, c'est le lightning cannon, j'en ai déjà parlé, et le lightning hammer, qui est absolument merveilleux, parce que lui, là où tu tapes avec ton marteau, l'ennemi va mourir, et après ça fait un petit tir d'énergie qui va aller, un petit tir d'éclair qui va aller tuer un des ennemis aux alentours, mais comme t'as déjà tué l'ennemi que tu voulais buter, c'est pas très grave si l'éclair tue pas l'autre ennemi que t'aurais aimé qu'il bute pour toi. Quoi. Alors que on a vu le attention à la grenade. Ouh putain, c'était chaud ça. Gros coup de bol hein, sur cette grenade. Après j'étais confiant, je me suis dit non c'est bon, je suis hors de la zone d'effet de la grenade, mais putain c'était un gros pari. Hein. Un petit peu de wave gun, pourquoi pas, c'est rigolo. Avec Trigger Fingers, ça... déjà de base c'est une arme qui tire relativement vite, mais avec Trigger Fingers du coup, ça fait vraiment une mitraillette à munitions de fusil à pompe, c'est assez marrant à utiliser. Et là je suis en train de réfléchir, est-ce que je garde le wave gun? Ou est-ce que je reprends mon autocrossbow? Mais où est mon autocrossbow? Il est en bas, guignol, derrière toi. Allez. Encore une fois, avec Trigger Fingers et le stress en bonus, hein, l'auto-crossbow tire à une vitesse mais phénoménale. Et chaque carreau d'arbalète, en plus en Ascarior Face, va tuer quasiment... Enfin, tous les petits ennemis vont mourir en un coup de carreau d'arbalète. Hein. Le jeu me propose un Gatling Bazooka, je ne peux pas résister à l'envie de jouer un petit peu avec. Hein. Vous me connaissez, c'est trop marrant. Alors il faut faire gaffe avec le Gatling Bazooka et le stress parce que si tu tires trop vite... l'explosion d'une roquette, comme les roquettes vont être assez rapprochées, comme tu vas les tirer très vite, l'explosion d'une roquette va déclencher la roquette d'après, qui va déclencher la roquette d'après, et en fait les explosions vont se rapprocher de toi très très vite, et tu vas te faire sauter la gueule très 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 vite. Donc avec le Gatling Bazooka tout seul, ça ne peut pas arriver. Avec le Gatling Bazooka et le stress, et en plus Trigger Fingers, tu peux vraiment te faire sauter la gueule en 3 roquettes, ça va très très vite hein, de faire des conneries avec ça. Le super plasma cannon, le fameux, le saint graal de tous les joueurs de Nuclear Throne. Pourquoi? Parce que regardez-moi ça. Voilà, 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 voilà. Donc certes, hein, c'est un gouffre à munitions, mais 2 tirs de plasma cannon et t'as fini ton niveau, malheureusement. Voilà, je pense que le van s'est arrêté, je veux donner un coup de pelle pour tuer tous les flics d'un coup. Et en fait, le van ne s'est pas complètement arrêté, il est juste en train de ralentir contre le mur. Et du coup, en donnant un coup de pelle, j'avance vers le van. Et comme il est encore en mouvement, ça me bute en vrai. C'est malheureux, hein. Juste après avoir chopé le Super Plasma Cannon. Néanmoins, j'ai eu un bon score, vous avez vu, sur ce défi hebdomadaire. Et bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires sous la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un autre épisode de Nuclear Throne. Portez-vous bien. Ciao, ciao.